هاد النور ديال الشمس الساطع كل مرة وكل نهار وكل عام كيطلع بتفاصيله على جبال أكادير دوتنان. وفي هاد الجبال قررت نبحث عن قصة جديدة وتكون علمية محضة في المضمون ديالها. قلبت عليها مزيان تحت كل حجر وفي داخل كل جحر. هبطت الواد اللي لقيت قدامي وطلعت الطلعة اللي جات موراه. قلبت عليها مزيان حتى تلاقيت موسى مسرور اللي قال لي بأنه في هذا المكان وقعت قصة تاريخية ممكن تغير مجرى وأسماء الديناصورات من جديد بفضل مجموعة من الأبحاث اللي كان جراها العالم الفرنسي أومبغوتجي في هذه المنطقة. لكن هذه الأبحاث ضاعت من بعد هي وكل مكان كيتعلق بها. هذا الشيء علاش؟ إلا بغينا نعود نصحوا هذا التاريخ الغلط في قصة الديناصورات خاص كل مهتمين بهذا الأمر يكتفوا من الدراسة والبحث ويقولوا العلماء العالم حبس التاريخ بدأ من هنا من أكادير. Alors, l'histoire de Agadir Ignus commence en fait depuis 1954, quand Ombroggie, à l'occasion d'une étude qu'il a faite dans le Haut Atlas occidental, il a trouvé des empreintes, plusieurs empreintes d'oiseaux, plusieurs empreintes. Donc, il a publié avec de l'apparent un article où il parle des empreintes de pas de fossiles de maestrichiens d'Agadir. Maestrichien, c'est un âge de Crétacé supérieur. Alors, dans ses empreintes, en décrivant ses empreintes, il a parlé de ptérosaures. Donc, en 1954, il a parlé de ptérosaures. Donc, ses empreintes, avec l'aide de l'apparent, qui était un spécialiste, ils ont pensé peut-être qu'il y a des empreintes de ptérosaures. Alors, après, bien sûr, ils ont publié ça avec des photos, avec une description bien précise, et ils ont appelé ces empreintes Agadir Ignus elegans. Agadir Ignus sur le nom d'Agadir, parce que c'est tout près d'Agadir. Après, l'histoire a été oubliée un petit peu. Donc, personne ne parlait de ce site et personne ne parlait de ces empreintes. Alors après, en 1957, en Amérique, il y a Stock qui a publié un article sur des empreintes de ptérosaures. Donc pour lui, c'était la première fois au monde qu'ils ont décrit des empreintes de ptérosaures en 1957. Mais ils ne savaient pas l'existence de ces empreintes qui existaient déjà à Agadir. Alors, c'était 3 ans plus tard. Alors, entre 1995 et 2003, il y avait pas mal d'études au monde sur les ptérosaures. Mais tout le monde a dans la tête que les premiers ptérosaures, c'était ceux qui ont été définis en Amérique, qu'ils ont appelés Pteréicnus. Mais il y a les études, surtout de Jean-Michel Mazin, qui a fait attention en lisant l'article d'Ombroggie de l'apparent et en regardant les figures, ce qu'ils ont figuré, il a pensé, il a dit attention, peut-être il y a des empreintes de ptérosaures dans la région d'Agadir. Mais cet endroit était perdu, personne ne savait où se trouve ce site. Mais ils ont pensé, ils ont dit peut-être qu'il y a des empreintes dans la région d'Agadir. Alors voilà, donc ça. Il y a une note, un article de Mazin où il a republié les figures publiées par Ombroggie en 1954.
Donc il fallait chercher ce site pour prouver que effectivement il s'agit de empreintes de ptérosaures, et dans ce cas ça sera les premières empreintes de ptérosaures décrites au monde, ce sont ceux d'Agadir. Alors pour cela il y avait une recherche qui a été faite avec mon ami Marc de Ducla, donc je lui ai donné des cartes et aussi on a parlé ensemble sur l'endroit où on peut trouver ce site parce que ça a été situé par Ambrogi. Et finalement, Marc de Ducla, il a trouvé des échantillons, des roches en éboulis tombées et avec ces empreintes. Donc on était sûr qu'on est sur le site que Ambrogi a étudié. Parce qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup, au moins 100 échantillons de mains et de pieds de ptérosaures. Donc, on peut dire maintenant, donc ça a été publié dans une note, et on a prouvé que les premières empreintes de ptérosaures décrites au monde, ça a été à Agadir, et qui ont pris le nom de Agadericnus elegans. Voilà donc l'histoire de Agadericnus. لتحقيق هذه المهمة هذه وتصحيح هذا الخطأ العلمي مصاربط الاتصال مع مجموعة من الباحثين كجون ميشيل مازان ومارك دو ديوكلا فكان بينتهم هذا الحوار. Ça serait fantastique de retrouver la collection originelle. Ça serait. C'est déjà très bien que le site ait été retrouvé, que l'on puisse espérer travailler dessus tous ensemble. Mais l'idéal pour reconstruire toute l'histoire, d'autant plus que c'est au Maroc qu'ont été découvertes ces empreintes pour la première fois au monde. Donc c'est ça qui est intéressant. Si tu veux, il y a tout l'aspect scientifique qui nous concerne, mais aussi un aspect historique, qui est fantastique, pour une belle histoire, une très très belle histoire. Qu'il a eu la bonne idée de l'appeler Agadericnus en plus. Visité par la ville. Et en plus, après, si jamais on arrive à démontrer très clairement, mais je crois que ça ne sera pas difficile du tout. Démontrer très clairement qu'Agadericnus a été créé en 1954, bien avant tout le reste de l'histoire des ptérosaures dans le monde, ça voudra dire vraiment qu'Agadericnus, en termes de nomenclature, aura priorité. Alors c'est difficile pour l'instant, parce que ça veut dire qu'il faut balayer tout ce qui a été trouvé dans le monde depuis, et puis dire Agadericnus est le chef de file, la référence mondiale de tout ça. Mais on y arrivera peut-être. Jean-Michel كيقول بانه من الضروري تحليل ومقارنه جميع المعطيات حول العالم. اذا دابا غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي كان فيها هذا مارك دي دوكلا، هذا اللي كان معنا هنا دابا، لقى فيها بعض الاثار، وهذا الاثار هادو بمساعده من الاستاذ اللي وجهه اولا السي موسى مصرور، هو اللي وجهه انه يقلب على هذه البلاصه هذه بالضبط. غادي نمشيو نتعرفوا على هذه الاثار الى لقيناهم، لانه واحد الموقع اللي هو شي شويه صعيب، والى جاي بذلك غيكون معنا يعني الدليل الاكبر ديالنا اللي هو جون ميشيل مازان، اللي هو واحد السيد، هو تقريبا نقدروا نقولوا الشخص الاول في هذا الشيء ديال لي زومبانت وهذا الشيء ديال الديناصور. اذا نخليكم ما ماشي بعيد بزاف، كاين شي شويه ديال لابيست، ولكن غادي نوصلوا ان شاء الله وغادي نشوفوا تفاصيل اكثر. في سنوات 1900 ما كانش شي حاجه سميتها الديناصورات الطائره معروفه، المهم ديك الساعه كانت الطيور هي اللي معروفه فقط. حتى جاء العالم أمبروجي للمغرب ولقى اثار في شكل، وقال في البحث ديالو مع دولا باغون باللي مستحيل يكونوا ديول الطيور، وانما النوع من الزواحف سماه اكاديغيكنوس. ولكن الانسب هو يتسموا الديناصورات الطائره باكاديغيكنوس بحكم ان أمبروجي هو المكتشف الاول. هذا الشيء علاش موسى ومازا ومارك عاودوا اشتغلوا على الموضوع. Organisation, ça va pas demander. Oui, on peut venir travailler ici et vous faire une soirée, par exemple. Il y a des sites, parfois vraiment il faut faire des kilomètres, il faut passer la nuit dans le site et là-haut, tout est logistique. Et puis, je pense qu'être au Maroc est aussi un avantage par rapport à des pays comme la France, par exemple, où entreprendre ce genre d'études demande en amont d'avoir fait des dossiers, voilà, et qui coûtent très cher sur la France. Ouais. Alors, professeur Jean-Michel, ce que je veux savoir, c'est vos sentiments, vous qui avez vraiment défendu le site d'Agadir. Qu'est-ce que vous pensez
devant ce site? Eh bien, je suis très ému d'être là. Très ému, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, après avoir lu les articles, enfin l'article de Ambroghi et Laparent, que je me dis que je sentais comme ça, que c'était quelque chose de plutôt important. Sur le plan, à l'époque c'était ça, mais aujourd'hui on va continuer l'histoire avec le Maroc. Deux géologues français ont découvert pour la première fois au monde des empreintes de pas fossiles de ptérosaures. Ptérosaures, ces animaux volants qui vivaient à l'époque des dinosaures. Et on a oublié complètement cette découverte, on l'a oublié. Oublié. Toute la communauté scientifique a oublié qu'un jour il y a eu cette découverte au Maroc. Donc ce qui m'importe moi maintenant, ce qui m'a importé pendant un certain temps, c'est de, disons, raconter au monde quoi, que en fait c'est pas vrai. Les premières empreintes n'ont pas été trouvées aux États-Unis, n'ont pas été trouvées ailleurs, mais ont été trouvées ici au Maroc. Ils portent le nom d'Agadir Ichnus, c'est-à-dire ils ont eu la délicatesse, les deux géologues Ambroghi et Laparent, d'appeler ce fossile Agadir Ichnus élégance, ce qui en plus est joli. Ouais. Agadir Ichnus élégance. Agadir Ichnus a été le premier découvert au Maroc en 1954. Voilà. Et je suis très ému d'être là parce que ça c'est voilà, retrouver un site comme ça, bon, ça a été retrouvé par Marc de Ducla et Moussa Masrour. Et bon, maintenant on va essayer d'envisager ensemble l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Pour valoriser donc, le site. Voilà, nous avons déjà fait ensemble une petite note scientifique. Voilà, parce que. Et aussi parce que le Maroc est un pays très riche du point de vue géologique et paléontologique. Et que bon, on aimerait aller au bout de cette histoire. Voilà. D'après quand Jean-Marc a commencé à récolter, donc il a commencé à récolter ici, mais il est aussi plus haut. D'accord? Dans les ravins, on les voit ici, même de l'autre côté. Ouais. Alors là, il y a deux bancs qui peuvent donner selon leur faciès. Il y a celui-là qui est en bas, et il y a celui-là qui monte comme ça. Ouais. Donc, moi je dis que peut-être il y a des indices, mais ça se peut qu'il y ait des empreintes ou des pistes sur les surfaces de ce banc-là, le premier, mais aussi sur le deuxième. Et on a trouvé de l'autre côté, on éboulit une grande masse, ce que j'ai moulé. Oui. Vraiment une grande surface qui est restée en place, parce que c'est lourd, hein, on n'a pas pu emporter, qui est de l'autre côté et qui peut être... Bon, il ne peut pas monter d'ici. Donc il est sûrement tombé de deuxième. Ouais. Donc au moins, il y a deux niveaux. Au moins. Ouais, ouais. Et peut-être il y en a plus. Et vu le nombre qu'il a récolté, plus que 100 juste ici, cela veut dire que et il y en a beaucoup. C'est potentiellement alors, très riche. Sans oublier ce qui a été ramené. Parce que ça, c'était une carrière qui était exploitée. Ouais. Bon, le premier qui m'a informé de ça, bon, sans parler de ptérosaures, c'est des drainés. Il m'a dit, si tu passes par là, il faut aller chercher, il y a des traces d'oiseaux. Il m'a parlé seulement d'oiseaux. Ouais, ouais. Bon. Et il m'a dit, c'est une carrière qui était utilisée pour la chaussée, de donc, l'aéroport. Donc, Dudrenet connaissait ce site. Oui, oui. Connaissait, parce que parmi les choses qu'il m'a dit, si tu as le temps... passer visiter, il y a un site où il y a des empreintes d'oiseaux. Lui, il m'a parlé seulement d'oiseaux. Oui. Donc là, c'est la région de Tiagragra, c'est à l'est d'Agadir. C'est un anticlinal d'âge de Crétacé supérieur. Et là où il y a les empreintes, c'est dans le Maestrichien. Donc les affleurements avec la coupe où on trouve les empreintes, on les trouve dans deux endroits. Donc en bas ici, dans des couches en bas, et aussi dans des couches en haut qui donnent ces empreintes. Le Maestrichti هو الزمن ما بين ناقص 72 حتى ناقص 66 مليون سنة. من بعد هذا الزمن بشوية تقريبا غينقرضوا الديناصورات كاملين بمرة. Ah ben là aussi il y a des rythmes actuels. Première. Les grosses empreintes sont. Ouais. Donc là c'est le faciès pterygnus. Vous trouvez au moins cette surface là. Sur quelques bons mètres carrés, de façon à avoir suffisamment de données à publier, à étudier, à publier. Et puis après se pose le problème de la protection. La protection, c'est ça, il faut gardiner. C'est la seule solution.
Et protection physique aussi, c'est-à-dire contre l'érosion. Ça, contre l'érosion, oui. Ouais. Ouais. Donc, et éventuellement, de mise à disposition du public. Ouais, voilà, il y a tout. Il y a quelque chose à réfléchir, quelque chose de global. Parce qu'il y a l'aspect scientifique qui nous anime, nous. On est, Moussa et moi, et Johan, je veux dire, c'est notre métier, c'est notre corps de métier. Donc, tirer tous les renseignements scientifiques possibles de ce site. Et après, il y a les aspects protection physique, protection légale si nécessaire. Il y a reconnaissance. Reconnaissance de ce site, alors reconnaissance scientifique internationale, mais aussi reconnaissance nationale, ici, dans le sens, c'est une richesse de plus sur les territoires marocains. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à faire. S'il n'est jamais bien aménagé, bien protégé, ouais, il peut entrer dans, comme ce qu'on a fait pour Hansa. Oui, exactement. Vous allez voir, oui. Il y aura une étudiante qui va se poser sur Hansa. Oui. Maintenant, il y a les écoles, il y a des sorties scientifiques qui sont construites. Eh ben, c'est très très bien. Il y a des touristes qui viennent. Eh ben, c'est très bien. Et là, vous voyez, c'est pas loin de la ville. Il y a Croco Park juste à côté. Mmh. Il y a les gens qui vont visiter. Le site est c'est très bien. Visiter. C'est exactement ce qu'il faut. Et puis, ça fait un petit site culturel. Oui. Un petit point culturel comme ça. Non, c'est très bien. Très très bien. J'avais peur que ce soit plus difficile que ça. تيروبودات كنت هضرت عليهم من قبل وهما اللي كاينين الاثار ديالهم في انزا شمال اكادير والتيروبودات حتى هما عاشوا في الكريتاسي ولكن هذا الموقع هذا ديال تاكراكرا الاهميه ديالو انه جاء في اخر ادوار زمن الكريتاسي وبالضبط في المايستريختي ومراه وقع حدث كبير على ما كيقول العلماء أدى لانقراض الديناصورات على وجه الأرض بصفة عامة والدليل على عيش الديناصورات هو الآثار التي تبقى تحجر في الأوساط المائية اللي كانت في ذاك الوقت بحال هادو اللي لقينا في تاكراكرا آثار كثيرة في موقع كبير وخام للاستكشاف Moi, je pense que c'est celui-là. Donc voilà, oui, ça, sûrement. Je regardais la séquence là. Ça doit être celui-là. Il faut la lire à l'envers, mais c'est oui, effectivement. Ça doit être celui-là, pas le dernier, parce que tu vois, il est consistant. Oui. Là où il y a plus de marne. Ouais. Bon moment. Vous avez des photos de ces affleurements disponibles ouais. De ça prendre, oui. Il faut les prendre. Hein. Vous avez un appareil. Il faut les prendre spécifiquement, mais là, le soleil n'est pas au bon endroit. Non, ouais, mais peut-être qu'il va tourner. Hein. Ouais. Vers midi, on aura peut-être un peu plus de chance. Donc là, c'est facile, hein, Johan. On le disait, techniquement, hein, vraiment techniquement. Décapé avec une pelle chenillée. Oui, mais surtout, il faut protéger. Oui, non, mais voilà, c'est ce qu'on disait ce matin. Voilà. Il faut tout de suite, on va parler avec Moussa. Il faut que ce soit gardienné. Il faut qu'il y ait des gardiens ici en permanence. Les gens du bled ici seront bien contents d'avoir une petite occupation. Et il faut que ce soit des gens sérieux. Ouais. Les objectifs. L'objectif, c'est pas de décaper tout le Maastrichtien. Bien sûr que non. Oui, il faut de la région. Une surface suffisante pour. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Le terrain ici, c'est très bien connu, mais l'autre et correspond à un autre type de ptérosaure. Donc non, c'est très bien. Ce qui me semblait être les deux obstacles principaux. Enfin, les trois obstacles principaux, c'était que ce soit techniquement trop difficile, mais non. Non, c'est s'il y a une pelleteuse. Il y en a partout, regarde Moussa. Le bloc qui est derrière toi, juste derrière toi, voilà. Ouais. Regarde dessous, Moussa. Là. Oui. Donc c'est une contre-empreinte. Déjà, il y a ce banc-là, c'est un petit banc centimétrique qui saute. Ensuite, il y a d'autres empreintes ici. Bon, ça veut dire de toute façon que sur une opération comme celle-ci, on est sûr de trouver quelque chose. Ouais, c'est protégé, c'est couvert. Ah oui, tu m'as dit ça avant. Je vais expliquer. Voilà comment il faut faire. Et en plus, on est même couvert par l'État, puisque c'est une réserve nationale. D'ailleurs, là, c'est ce que j'ai dit à aux autorités. La gravure rupestre dans le géoparc d'Adongoun, super, une grande surface, super.
mais elle n'est pas sous abri. Ça commence à se dégrader rien que par la nature. Et les gens parfois marchent dessus parce que c'est horizontal. C'est une gravure horizontale. C'est très beau. Alors le problème du Maroc, c'est qu'il est trop riche à l'extrême. C'est, le Maroc est très riche en données géologiques et paléontologiques. Et on pourrait presque dire trop riche parce qu'il y a tellement de choses à protéger. Je me suis servi pour cette redécouverte de l'article L'Ambrogier de l'Apparent de 1954, comme Moussa avait l'obligeance de me faire passer. Donc je suis venu ici avec, dans l'idée que ces pistes et ces traces avaient été relevées il y a 60 ans. Avec les activités anthropiques qui ont eu lieu dans la région, les indices de la piste avaient certainement disparu. Donc je ne me suis pas fié à ces indices, je me suis fié à la topographie générale et je suis arrivé tout de suite ici, très vite. Je me suis dit, ça a l'air de ressembler à cela. J'ai cherché un indice, j'ai vu tout de suite des ripple marks, ce qu'on appelle des rides de courant, qui indiquent un milieu paralique, enfin de rivage. Je me suis dit, ça doit être là. J'ai stationné ma voiture ici, je suis descendu et j'ai trouvé mes premières empreintes immédiatement, parce qu'il y en avait beaucoup, en éboulis. Et voilà comment, après, j'ai informé Jean-Michel Mazin et Moussa de la redécouverte du véritable site d'Ambrogier à l'Apparent. Et puis j'ai continué de recherche et j'ai fait nom de ma collection à l'université d'Imzor. Ah bah oui. Je viens de casser, hein. Oui, simplement comme ça. Tu vois, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux, c'est super. Ça c'est main. C'est une main. Ça c'est main de l'autre côté. Ça c'est une main, exactement. Et tu connais tout maintenant. Ah oui, oui. Donc c'est encore une autre surface, tu vois. Oh non, ça doit être... puisque ça monte, donc il se débite et il est là dans les... Oui, mais bon, je l'ai cassé elle est à agitée. Partir de là. Elle est agitée la surface. Hein, oui. Moi, je regarde ici. Donc, une fois qu'on a récolté ces échantillons, bien sûr, on les ramène au laboratoire et on les trie, puis il y a des mesures à faire. Et aussi, on les stocke dans la collection. Donc, il y avait pas mal qui ont été récoltés par Marc Duducla. Et il a fait un don à la Faculté des sciences d'Agadir de tout ce qu'il a récolté. Et maintenant, ils sont conservés au département de géologie de la Faculté des sciences de l'Université Ibn Hazm. Ça fait partie des choses aussi. Oui. Donc, ça veut dire dans le dossier qu'on va mettre en place. Il faut les considérer comme deux niveaux séparés pour l'instant. Oui, c'est ce qui est dit dans la note que nous avons faite. Oui, c'est deux niveaux. Oui. De donc on reste sur cette première analyse. Oui. Mais on peut clairement afficher qu'on a fouillé le niveau le plus bas. Oui. Lui, on sait où il est, on sait ce qu'il faut faire pour le fouiller et tout. Et on va prospecter le niveau du haut parce qu'il est d'une approche un peu plus délicate, un peu plus difficile. Mais en revanche, il faut à tout prix qu'on les trouve, qu'on les enregistre et que ça rentre en collection. Les pieds de combien vous dites 15 cm. 15 cm. Ah oui, c'est des belles pierres. On les a en photo. Hein. Je crois bien que c'est ce qu'on connaît le plus grand monde pour l'instant. Hein. En tout cas, il y a des très belles choses. Hein. C'est joli, oui. Magnifique. Des empreintes qui se superposent à d'autres. D'autres ethniques, d'autres traces, d'autres. Difficile à dire. La lumière n'était pas favorable, hein, mais. Non. Non, la lumière n'est pas très... En tout cas, rien d'évident. Ouais. Mais peut-être, mais il y a plein de petites traces aussi sur la dalle qui ne sont pas forcément identifiables. Non, c'est ça que je voulais dire. Ouais. J'ai des plaques comme ça à la maison que je vous montrerai, qui sont remplies de traces, moi, inidentifiables, pleines. Alors, il y a des empreintes qu'on a trouvées en éboulis, c'est-à-dire tombées. Donc, ceux-là, on peut les ramener au laboratoire. Mais il y a certains qu'on a trouvés dans des surfaces de grande taille, donc difficiles à ramener. Donc, on les a moulés sur place. Bon, un exemple, là c'est une grande surface, c'est très lourd, on ne peut pas les ramener. Donc ce qu'on a fait, on les a moulés rapidement avec une méthode de moulage rapide sur place. Donc c'est une pâte qu'on mélange avec 50%, 50%, deux proportions et qu'on applique sur les empreintes. Et c'est rapide, donc on attend 5 minutes à peu près et on aura le moule qu'on peut tirer après, comme je vais vous montrer, et l'étudier sur place. Oui. Voilà. Donc là, c'est une façon d'étudier les empreintes qu'on ne peut pas
ramenés sur au labo. Le Maghreb, كيف قال Jean-Michel Mazin, المشكلة ديالو أنه مليء بالثروات الجيولوجية الخام اللي خص وتيرة البحث العلمي بخصوصها تزاد باش يترفع لها الستار ويتم استكشافها وتثمينها وباش حتى المواطن يعاب الأهمية ديالها ويحافظ عليها ويتحقق مبدأ الديمومة ما بين الإنسان والوسط اللي كيعيش فيه. رحلة المايستريخت انتهت هنا. هاد الزمن الجيولوجي اللي جا مور سانتونيا والكومبانيا واللي مراه من بعد جا الزمن ديال الباليوسين والحقبة الرابعة اللي ميزات نحن البشر. المهم التاريخ العلمي طويل ومتواصل، وهاد القصة غنزيد نكمل عليها في البلاصة فين وقفت، في قصة جديدة ومكان جديد.